va-t-on partir nager? Ils s'éloignèrent pour s'amuser. Maman canard dit coin, 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 coin. Mais seulement quatre canetons revinrent. Un, deux, trois, quatre. Quatre canetons partir nager. Ils s'éloignèrent pour s'amuser. Maman canard dit coin, 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 coin. Mais seulement trois canetons revinrent. Un, deux, trois. Trois canetons partir nager. Ils s'éloignèrent pour s'amuser. Maman canard dit coin, 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 coin. Mais seulement deux canetons revinrent. Un, deux. Deux canetons partir nager. Ils s'éloignèrent pour s'amuser. Maman canard dit coin, 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 coin. Mais un seul caneton revint. Un caneton partit nager. Il s'éloigna pour s'amuser. Maman canard dit coin, 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 coin. Mais aucun caneton ne revint. Aucun caneton ne partit nager. En s'éloignant pour s'amuser. Papa canard dit coin, coin, coin. Et les cinq canetons revinrent. Cinq canetons partir nager. Ils s'éloignèrent pour s'amuser. Maman canard dit coin, 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 coin. Et les cinq canetons revinrent. Du chocolat. Non, papa. Tu ne mens pas. Non, papa. Alors fais le A. Ha, ha, ha. Groovy, groovy. Mais papa. Mange du chocolat. Non, papa. Tu ne mens pas. Non, papa. Alors fais le A. Ha, ha, ha. Quelle superbe journée pour faire du snorkeling et voir des poissons pleins de couleurs. Comme c'est beau sous l'océan. Regardez ce joli poisson clown. Bonjour mon ami. Ne va pas trop vite, Groovy. Avec un peu d'entraînement, tu finiras par nager comme un vrai poisson. Oh, mais c'est un désastre! C'est horrible! Les profondeurs ressemblent à une déchetterie. Les animaux ne peuvent pas vivre dans ces conditions. Tiens, qu'est-ce que c'était, les enfants? On ferait bien de le suivre si on veut le savoir.
Je n'en crois pas mes yeux. C'est une sirène. Suivons-la, les enfants. Elle va se cacher là-dedans. Où est-elle passée? La voilà. La pauvre. Elle pleure. Essayons de lui redonner le sourire, les enfants. La sirène est triste parce que tout ce plastique menace de détruire sa maison dans les profondeurs de l'océan. Le plastique est mortel pour les pauvres animaux marins. N'est-ce pas, Pops? Les emballages en plastique, qui ne sont pas recyclés, finissent dans la mer et se transforment en des pièges mortels pour ces pauvres poissons. Ils restent coincés dedans, où ils les mangent et s'empoisonnent. Il faut mettre fin à cette tragédie. Dites les enfants, on aide la sirène à nettoyer le fond de l'océan? Youpi! C'est ce que je voulais entendre. Il faut toujours aider ceux qui ont besoin de nous. Ne t'inquiète pas, petite sirène, on va t'aider. Mais comment, les enfants? Il y a beaucoup de plastique dans la mer. Il nous faut quelque chose de plus grand. Groovy, tu as une idée? Alors, les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour ramasser la plus grande quantité de plastique possible? En collier de perles? En sous-marin? Ou en marguerite? Mais oui, en sous-marin. Fantastique! Avec ce super sous-marin, on va pouvoir nettoyer les bas-fonds en un rien de temps. Rien de tel que le travail d'équipe pour aller encore plus vite. En un clin d'œil. Adieu, affreux plastique. Les poissons sont tout contents et l'océan est redevenu comme avant. Très bien, les enfants. Bien joué. Vous avez bien travaillé tous ensemble. Je vous félicite. Vous avez été utile pour la sirène et pour tous les poissons. L'océan se porte mieux maintenant. Pas un seul sac en plastique. Au revoir, petite sirène. On recyclera toujours le plastique à la maison, promis. Comme ça, il ne finira pas dans les océans. Pas vrai, les enfants? N'oubliez pas, les enfants, on ne jette pas les emballages en plastique. On les recycle. Belle journée pour apprendre plein de choses sur les fruits et les légumes. Voyons voir ce qu'on a là. Miam! Des fruits et légumes, c'est délicieux!
Vous savez comment il s'appelle? Une tomate, une banane, une aubergine, une carotte, une pomme de terre, une pêche, un brocoli, une laitue, une pomme et des asperges. Très bien. Bien, les enfants. Vous reconnaissez les tomates, les pêches ou les bananes. Mais vous savez ce que c'est? Fruits ou légumes? Vous voulez que je vous explique la différence? Génial. Pops, tu me donnes un coup de main? Les fruits et les légumes poussent dans les plantes. Tout dépend de la partie de la plante sur laquelle ils naissent, que ce soit un fruit ou un légume. Commençons par les fruits. Tous les fruits ont d'abord été de superbes fleurs. Non seulement les fleurs sentent bon, mais en plus, elles aident les plantes à se reproduire. C'est pour ça qu'il y a des pépins dans les fruits. Ce sont leurs graines. C'est pour ça que les tomates, les pommes, les aubergines, les pêches et les pommes sont des fruits. Avant, c'était des fleurs. Et les légumes, alors? Les légumes, ce sont toutes les autres parties comestibles d'une plante. Les graines, les tubercules, les racines et les bulbes se trouvent sous terre. Et à la surface, les tiges, les feuilles et les fleurs. Sous la terre, on trouve des légumes comme les carottes et les pommes de terre. On mange aussi des tiges comme les asperges, des feuilles comme les laitues et des fleurs comme les brocolis. Il vous faudra du temps pour apprendre à les distinguer. Mais même certains adultes se trompent parfois. Vous voulez jouer à l'ardoise digitale pour vous entraîner? Vous devez mettre les fruits à gauche et les légumes à droite. Prêt? Oh non! Où est le pointeur? Bon, ce n'est pas grave, les enfants. Groovy peut nous aider. Waouh! Merci, Groovy. Les tomates. Fruits ou légumes? N'oubliez pas qu'il y a des pépins dedans. C'est bien ça. Les tomates sont des fruits. Même si elles ne sont pas sucrées. La banane? Exact. Les bananes sont des fruits. Et les aubergines? Non, les enfants. Elles ont d'abord été des fleurs. C'est ça. Les aubergines sont des fruits. Et les carottes? Mais oui, les carottes sont des racines comestibles. Et les pommes de terre, alors? C'est ça. Les pommes de terre sont des légumes. Ce sont des tubercules. Et les pêches? Facile, non? C'est ça, les pêches sont des fruits, avec un grand noyau, c'est leurs graines. Et les brocolis? Des légumes, c'est ça. Même si c'est dur à croire, les brocolis sont des fleurs. Et les laitues? C'est facile aussi. Ce sont des feuilles. Alors oui, ce sont des légumes. Et les pommes? Bien sûr, un fruit. Elles ont aussi des pépins. Et le dernier, les asperges. Très bien, Groovy. Ce sont des légumes, parce que ce sont des tiges. Vous vous en êtes très bien sorti. Je sais que c'est compliqué parfois, mais que ce soit des fruits ou des légumes, pensez à en manger beaucoup. Bonjour, Phoebe. Tiens, bonjour, Groovy. Qu'est-ce que vous allez construire? Une cabane dans l'arbre? Waouh, c'est très amusant. Ça
pas mal, dites-moi. Groovy, tu es le meilleur. Vous savez ce qui serait super? De la peindre avec plein de couleurs. C'est très joli. Ça y est, la cabane est prête. Vous nous la montrez? Tadam! Oh oh, les enfants, notre cabane dans l'arbre, elle n'est pas dans un arbre. Mais Groovy peut nous aider. Groovy, transforme-toi en grue. Super. On est invité dans votre cabane? Génial! Quel est le mot de passe? C'est une journée idéale pour passer du temps dans le potager. Groovy, tu pourrais passer ces plantes de brocoli à Phoebe? Tu manges les pousses de brocoli, ils ne pousseront pas et nous n'aurons jamais de grands brocolis. Là, c'est mieux. Phoebe, Groovy, les enfants et moi, on veut voir votre potager. Vous voulez bien nous le montrer? Ça, les enfants, ce sont des plants de tomates. C'est si bonnes tomates. Miam! On peut les manger, par exemple, en salade. Vous aimez les salades? Même si ça n'a pas l'air, c'est une plantation de carottes. Oui, oui, des carottes. Phoebe, tu peux en montrer une aux enfants? Qu'est-ce que c'est, les enfants? Quelqu'un sait comment s'appellent ces légumes? Oui, des citrouilles. Elles vous rappellent quelque chose, n'est-ce pas? Halloween! Calme-toi, Groovy. Les citrouilles sont inoffensives, comme les autres légumes. Et en plus, elles sont très bonnes pour la santé. Dis donc, les enfants, je fonds. Il fait très chaud. Il est important que vous vous protégiez pour ne pas prendre de coups de soleil sur la tête. Oh non, les enfants, les légumes ont aussi chaud. Merci pour ton chapeau, Groovy. C'est très gentil. Mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est que vous les arrosiez. L'arrosoir est là. Allez-y. Les enfants, ne gâchez pas l'eau. Les enfants. Si vous continuez comme ça, vous allez casser le tuyau d'arrosage. Et voilà. Il est cassé.
Merci, Pops. Les enfants, l'eau est une ressource très rare et précieuse. Il ne faut pas la gâcher. Pops, tu m'aides à leur expliquer pourquoi ? Tous les êtres vivants de la Terre, les plantes, les animaux, les humains et quelques martiens, nous avons besoin d'eau pour survivre. Il y a de moins en moins d'eau parce qu'on en consomme plus que l'on en génère. C'est pourquoi il est très important d'économiser l'eau que l'on a. C'est-à-dire que l'on utilise uniquement pour des choses fondamentales, comme boire, nous laver ou arroser notre potager, mais sans la gâcher. Vous comprenez ? Pendant que vous jouiez avec l'eau, vous avez oublié d'arroser ces pauvres légumes. Et maintenant, le tuyau d'arrosage est cassé. Comment pouvons-nous arroser ce potager de façon durable ? J'ai peur que cette eau ne suffise pas, Phoebe. Il en faut plus. Je sais, Groovy peut nous aider. Les enfants, en quoi peut se transformer Groovy pour sauver les légumes ? En arrosoir ? En dentifrice ? Ou en pinceau ? C'est ça, Groovy doit se transformer en arrosoir pour sauver les légumes. C'est parti. Très bien, Phoebe. Ferme le robinet pour ne pas gâcher l'eau. Regardez, ces légumes embellissent au contact de l'eau. Je suis sûr que si les plantes pouvaient parler, elles vous remercieraient. Une dure journée de travail dans les champs, ça donne soif. Mais n'oubliez pas ce que vous avez appris. Nous devons partager l'eau et ne jamais plus la gâcher. Dis donc, ces glaces aux fruits naturels ont l'air délicieuses. C'est super bon. Miam, Phoebe a pris 2 boules fraises et Groovy, 1, 2, 3, 4, 5 boules de différentes saveurs. Quel glouton ce Groovy! Attention Groovy! Mince, quel dommage! Groovy, ce n'est pas la faute des vagues! Groovy, c'est la glace de Phoebe, ça. C'est à elle de décider si elle veut la partager avec toi ou pas. Très bien, Phoebe. Il faut toujours partager. Maintenant, vous pouvez tous les deux savourer votre glace bien fraîche et bonne pour la santé. Miam! Et maintenant, profitez de cette belle journée avec vos amis.